Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour cette toute petite vidéo d'une visite, encore une fois, cette fois-ci. Il s'agit de l'usine 1, qui est une maison, à la base, une usine rénovée qui se trouve à Wittenberg, que j'ai entièrement rénovée en live avec le chat de Twitch, donc les abonnés de Twitch. Parce qu'en fait, je vous explique rapidement, dans cette usine que je n'aimais pas du tout, que ce soit d'extérieur ou d'intérieur, c'était installée une de nos protagonistes de la génération crise du Not So Berry. Il s'agissait de Mini. Et quand on a vu où est-ce qu'elle habitait, moi j'ai dit non, mais ça va pas être possible. Du coup, j'ai voulu la rénover et on est parti à faire une petite rénovation de cette usine. Donc j'ai gardé un petit peu l'extérieur, on va dire l'âme de l'extérieur de l'usine. J'ai pas retouché tous les murs, tout ça. J'ai un peu bidouillé les toits. J'ai un peu bidouillé les fenêtres. Et ainsi que l'emplacement rapidement de la maison. J'ai dû l'avancer de 1 ou 2 carreaux pour pouvoir avoir une surface de derrière un peu plus large. Et puis j'ai tout cassé à l'intérieur. Et j'ai tout refait. En quand même gardant l'esprit de mezzanine avec les chambres à l'étage. Et un toit cathédrale un petit peu pour le séjour. Du coup, on a une grande maison avec 5 chambres, comme vous avez pu le voir. Il y a une chambre bébé bambin au rez-de-chaussée avec la salle de bain hyper moderne, avec une baignoire justement pour les bébés et les bambins surtout. Avec du coup tout ce qui reste en salle à manger, ouverte, grand salon, une belle cuisine. Et puis ici, une petite terrasse à l'extérieur. On est plutôt parti sur des tons un peu vert, un peu bleu pour le rez-de-chaussée. Pourquoi pas, ça donne un peu de peps. La particularité du coup de cette rénovation, c'est que y a deux chambres qui sont un peu des chambres entre guillemets aveugles que vous pourrez voir. Elles ont quand même une fenêtre, mais c'est une fenêtre qui donne sur le séjour en fait, sur l'intérieur de la maison. Donc c'est pas vraiment une fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur. Mais je préférais ça en fait à pas du tout de fenêtre. Ça c'est clair. Nous avons donc une belle chambre de blanc vêtu, hein, qui peut aller à n'importe qui. Donc voilà, ça peut être adolescent, ça peut être couple, vous pouvez y mettre qui vous voulez. En face, vous avez une chambre plutôt pour enfants, avec des jouets, du bazar et des couleurs. Ça peut être mixte aussi, puisque j'ai tablé toujours sur du bleu vert, un peu jaune. Une autre chambre cette fois-ci, je suis partie pour une chambre d'adolescent, plutôt garçon, plutôt branché musique, plutôt branché ordinateur, YouTube, stream, pourquoi pas. Puisque le premier enfant de Mini étant un garçon, je me suis dit bon allez, on va lui faire une belle chambre pour quand il sera adolescent. Et c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Nous avons deux salles d'eau dans cette maison, donc une au rez-de-chaussée et une petite ici à l'étage avec juste une douche, une toilette, un lavabo. La baignoire pour le confort, ça se trouve au rez-de-chaussée. Et la dernière chambre, c'est la chambre un peu plus parentale qui est un peu plus large dans les tons bleu et blanc. Voilà pour cette visite de maison. Maintenant, vous allez voir un avant-après. J'espère en tout cas que cette rénovation vous aura plu. L'usine, la maison sera déjà dans la galerie, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Moi, en attendant, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur ma chaîne. Ciao !